Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, petit François, joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, tati Françoise, happy birthday to you, bisous, que Dieu te bénisse, bye bye. Bon anniversaire! Aujourd'hui, c'est un grand jour! C'est mon anniversaire! Alors, je vais faire la fête avec ma famille! Une famille, c'est quoi une famille? Mon papa, il y a ma maman, et il y a moi. Il y a ma petite sœur. Une famille, c'est quoi une famille? Ma famille, ma maman, mon papa, mon dada, et ma sœur. J'aime les fofofofofos. Une famille, c'est quoi une famille? La famille, c'est les gens qui m'entourent, comme ma maman, mon papa, mon petit frère, mes parents même, Liam aussi, et moi aussi je les aime. C'est une famille super! Quand je me suis éveillée, un petit oiseau chantait, il chantait, il sifflait. Il chantait, il sifflait dans le soleil qui brillait. La vie est belle et le monde est beau. Et tout m'appelle à le proclamer bien haut. Une famille, c'est quoi une famille? Pour moi, être en famille, c'est de passer du temps avec ma maman, de raconter ma journée et de lui faire un gros câlin. C'est quoi une famille? En famille, c'est aider ma maman à mettre le couvert pour le dîner. Merci mon garçon. Une famille, c'est quoi une famille? Mais ce n'est pas mon dessin. Ici c'est mon papa. Ici c'est moi. On est en train de jouer au football ensemble. Ici c'est ma maman. Elle nous regarde jouer. C'est ça, passer du temps en famille pour moi. C'est quoi une famille? La famille pour moi, c'est des personnes sur qui on peut compter dans les moments difficiles et sur qui on pourra toujours s'appuyer pour être réconforté. Alors j'ai sauté du lit et dehors je suis partie. J'ai chanté, j'ai sifflé, j'ai chanté, j'ai sifflé dans le soleil qui brillait. La vie est belle et le monde est beau. Et tout m'appelle à le proclamer bien haut. Une famille, c'est quoi une famille? C'est quoi une famille? Papa et maman et Kimmel et Daniel. Est-ce qu'une famille est très importante? Oui. Pourquoi? Parce que Dieu veut
Il vous aime. Et Dieu vous aime aussi? Oui. Et donc, Dieu veut travailler avec nous. L'Italien ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Italien regarde au cœur. Fati, Batoui, Ni, Fidirini, Uluna, Nous, Fidirini, Diova, Valiuna, Mijen, Ni, Michel, et où il veut la nuit. Fadiova, Kosa, et Diri, les fous. Ok, faut se lever. Alors, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Une famille, c'est quoi une famille? Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais présenter ma famille. Comme la robe de maman. La même couleur. Regarde, mets les lunettes. Voilà ma mère. Voilà mon père. Voilà mon grand frère. Ma grande sœur. Mon petit frère. Et mon tout petit frère. Voilà toute ma famille. Oui, oui, oui. Pour moi, ma famille, c'est très important car ils me soutiennent, ils me font à manger, ils me font plein de surprises, plein de cadeaux. Je l'aime de tout mon cœur. C'est quoi une famille? Pour moi, la famille est importante parce que on s'amuse ensemble. Une famille, c'est quoi une famille? Ma famille Mota, elle doit rester avec moi parce que en fait, elle me donne à manger, elle me donne plein de cadeaux avec tout ce qu'on veut. Et aussi avec un trésor, des pièces, des argent, plein de trucs. Mais en plus, on peut prendre des crayons, on peut prendre tout ce qu'on veut. Chouette.
tu te retrouves seule, tu auras plus de difficultés à résister quand ça va pas. Comme ce bâtonnet de glace. Et voilà, quand un problème arrive, on peut pas tenir et on est brisé. Nous faisons partie d'une famille, nous sommes nombreux et on est plus fort. Et quand quelque chose de mal nous arrive, on peut mieux résister parce qu'on n'est pas tout seul. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs bâtonnets. Alors je vais essayer de les briser. Bon, je suis déjà pas très forte. Je vais y arriver. Dans l'autre sens peut-être. J'arrive pas. Voilà, cela montre bien que quand on est à plusieurs, on est plus fort que si on est tout seul. Un bébé et une corbeille. Notre histoire se passe en Égypte, il y a très longtemps. Les Israélites devenaient trop nombreux. Le nouveau pharaon craignait qu'ils deviennent trop puissants et trop nombreux.
les Égyptiens avaient besoin des Israélites pour travailler pour eux. Le pharaon donna l'ordre de tuer alors les bébés des Israélites. Mais il fallait tuer tous les bébés garçons. Il y avait une famille. La maman attend un bébé. Et c'est un bébé garçon. Pour sauver leur bébé, la maman fabrique une corbeille pour cacher son bébé. La maman laissera flotter la corbeille sur le fleuve. La maman, le papa, le grand frère et la grande sœur étaient tous tristes en voyant la corbeille flotter sur le fleuve. Mais la petite famille décide de faire confiance à Dieu. Puis, la fille des pharaons vient se baigner dans ce fleuve. Elle verra la corbeille et sera très heureuse d'avoir ce bébé. Le bébé ne mourra pas. Il vivra et grandira au palais. Tout comme cette famille, une famille se protège. Une famille prie Dieu ensemble et lui fait confiance pour être heureuse. Tu as deviné, c'est l'histoire de Moïse dans sa corbeille. Aussi, si tu aimes ta maman, ton frère, ta sœur, ta mamie ou ta tati, tes parents ou tes proches, prie pour eux et protège-les. Nous allons créer un support pour accrocher nos photos de famille. Alors pour cette activité, il nous faut un cintre, un ruban de tissu, deux pelotes de laine de couleurs différentes, des ciseaux, de la colle et du scotch double face. Il nous faudra 5 photos. Alors moi, tu vois, j'ai choisi des cartes postales, mais toi, tu pourras choisir 5 photos de ta famille. Pour commencer donc cette activité, tu vas attacher le ruban de tissu au bout du cintre, sur la barre horizontale. Puis, tu vas enrouler le ruban de tissu tout le long de la barre. Pour terminer, tu refais un nœud. Ce ruban de tissu, en fait, il va empêcher ton fil de laine de glisser. Ensuite, nous allons couper 4 longs fils de laine, 2 dans une couleur et 2 dans l'autre. Choisis de longs fils, hein. Ensuite, on va plier le fil de laine en 2 et on va les attacher au cintre. Tu peux simplement faire une boucle, hein, comme sur la photo. Tes 4 fils sont maintenant attachés à ton cintre. Maintenant, pour choisir la position des photos, garde bien le cintre et les fils à plat sur une table. Puis tu disposes les photos comme ça te plaît. Maintenant, tu vas les coller une par une. Tu mets le scotch double face ou la colle sur les brins de laine et tu plaques ta photo dessus. Quand tu as collé toutes les photos, il te reste maintenant à décorer. Moi, j'ai collé des cœurs en papier entre les photos, mais tu peux choisir de coller autre chose. Attention quand même, ce que tu colles ne doit pas être lourd, sinon cela va déséquilibrer tout l'ensemble. Ensuite, avec ton ciseau, tu viens découper la laine qui est en trop en bas. Tu pourras l'accrocher dans ta chambre, comme ça tu auras toujours toute ta famille près de toi. Tu as fait ton support pour tes photos. Bonne activité à toi! Le psaume 127, verset 1. Si une maison n'est pas construite par le Seigneur, ceux qui la construisent travaillent inutilement.
c'est pour rire et pour chanter. Tu vois ma douleur, il peut m'aider. Je sais, il est à mes côtés. Il y a toujours une raison pour aimer. La vie est si belle, comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Je suis ici pour aimer, aussi pour rire et pour chanter. La vie est si belle. Vos créations.
Vous pouvez nous envoyer vos créations à tati.françoise974@gmail.com. Fifi et compagnie. Teddy, veux-tu bien prier pour le petit déjeuner? Oui, maman. Seigneur notre Dieu, merci pour ce repas partagé en famille. Amen. En famille? Mais Teddy, toi, tu n'es pas de ma famille. Tu es un ours. Non. Moi, il est humain. Tu as raison, ma ch'tounette. Ton frère est un ourson et toi, tu es un chat. Mimi est une souris et les jumeaux, Marguerite et Max, sont un koala et un écureuil. Tu vois, notre famille est pleine d'espèces différentes. Non. Mais c'est quand même une famille. Non. Ah bon? Eh oui, car ta maman et moi, nous avons décidé de vous adopter. Nous avons décidé de former une belle famille tous ensemble. Moi, j'ai tout compris. Oui, Mimi? La famille, ce sont des gens qui s'aiment fort. Tu as raison, Mimi. Ce sont avant tout des gens qui s'aiment fort et qui ont décidé de vivre ensemble. Vous voyez, mes enfants, Dieu, c'est pareil. Il a créé une immense famille. De gens très différents, des petits, des grands, des espèces d'une sorte ou d'une autre. Mais nous faisons tous partie de la famille de Dieu. Et Dieu nous aime comme ses enfants. Allez maintenant, un bon petit déjeuner. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. La famille c'est doux, la famille c'est cool, tout autour du monde nous formons une famille. Nous sommes tous une famille. Nous sommes tous une famille. Prière. La famille c'est doux, la famille c'est cool, tout autour du monde nous formons une famille. Nous sommes tous une famille. Nous sommes tous une famille. Sing for my King and my Lord, give us the glory to the Lord.